Alors, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous en ce magnifique lundi de début de printemps? Pour débuter, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien. Donc, si vous m'entendez bien, faites-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît. Cliquez j'aime avec un cœur, avec un pouce, peu importe. En fait, j'ai besoin de savoir si mon son est bon avant de bien débuter et de me présenter à vous toutes et tous. Je vais attendre de voir comment ça se passe. Oui, alors j'ai des likes. Monique dit qu'elle m'entend bien. Alors j'espère que c'est le cas pour tout le monde. C'est possible que des fois, vous voyez que mon visage bifurque un peu vers la gauche, c'est que mon écran est pas mal là pour voir tous vos commentaires. Alors, oui, j'entends bien Vicky. Super, merci beaucoup Vicky. Alors, bienvenue. On a Nadine avec nous, Nathalie, Annie-Claude, Monique, Marie-Claude, Sonia. Wow! Bienvenue tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'avoir autant de gens à notre Facebook Live de ce soir. Julie Bourgeois qui dit, je n'entends rien. Peut-être cliquer dans votre écran pour activer le petit speaker là, que normalement on retrouve dans l'écran en bas à droite. Donc, si jamais vous continuez à pas nous entendre, Julie, OK, parfait, ça fonctionne. Good. Alors, avant de me présenter, j'aimerais savoir de quelle région vous êtes, premièrement, et quel âge a votre chiot, quel âge votre chiot est rendu présentement, puis si ça vous tente, si vous souhaitez, vous pouvez m'envoyer des photos aussi en commentaire. J'aime toujours ça, voir vos petits chiots. Et aussi, si jamais vous écoutez en rediffusion, soyez assurés que je vais répondre à tous les commentaires. Si jamais vous avez des questions puis que vous nous écoutez en rediffusion, je vais prendre le temps là, de répondre à tout le monde cette semaine. Donc, des gens un peu partout. Oh, toutes ces dents! J'aime ça! Julie, j'adore ça! C'est bien qu'à 8 mois, il ait toutes ses dents. Donc, oh oui, le beau Rex de 3 mois, de Gaétan et Colette. Alors, je vais me présenter ce soir parce qu'il y en a parmi vous à qui je n'ai pas parlé encore. Donc, je me présente, je suis Annick Côté, copropriétaire de l'entreprise Eureka depuis 2015. Je suis intervenante aussi en comportement canin depuis 2015 également. Donc, j'ai débuté en fait ma carrière avec ma passion pour les animaux dans le domaine vétérinaire, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Ma passion pour le comportement a d'ailleurs grandi pas mal à cet endroit-là. Puis par la suite, j'ai adopté mon premier chien. Mon premier chien qui est un Border Collie Rescue de 7 mois. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui et j'en ai fait mon métier. Donc, ma passion et l'éducation avec mon chien Border Collie sont devenues mon métier par la suite. Et je suis également membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Donc, ce regroupement-là au Québec a été mis en place par des éducateurs du Québec en 2012, si je ne m'abuse, donc un peu pour réglementer notre métier, parce que un peu tout le monde au Québec peut se dire éducateur canin, donc c'est aussi pour offrir une sécurité au public, comme quoi que le professionnel avec qui ils font affaire a des méthodes à jour pour l'éducation des chiens. Je suis aussi certifiée pour une approche sans stress, sans peur et sans contrainte avec les chiens et les chats. Donc, c'est particulièrement dans le domaine vétérinaire, mais je vous dirais que ça s'est transposé très bien là, dans mon métier quotidien d'intervenante en comportement canin. Donc, ça va. Alors, si vous n'avez pas d'autres
question avant de débuter. On va rentrer dans le vif du sujet. Allô Marie-Ève, allô Noémie. Wow, je suis vraiment contente du public qu'on a ce soir. C'est vraiment génial. Donc, la plupart d'entre vous avez des chiots. J'aimerais tout d'abord vous dire que la phase de mordillement chez le chiot, c'est normal. Donc, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. C'est une phase normale où ce que tout propriétaire de chien doit passer. C'est un passage obligé, comme on peut dire. Je l'ai aussi. Bonjour Jocelyne! Je l'ai aussi vécu avec mon deuxième chiot qui est aussi un border collie. Donc, normalement, cette phase-là est très normale là, entre 2 et 4 mois. C'est pas mal l'âge vers laquelle où ce que le chiot va avoir des mordillements qu'on peut appeler plus intenses. L'important, c'est sûr que c'est de prévenir ça dès le plus jeune âge parce que malheureusement, on a certains de nos clients qui se retrouvent avec des mordillements intenses vers 6, 7, 8 mois. Donc là, on parle de quelque chose qui ne s'est pas réglé au plus jeune âge ou ce qu'on doit intervenir d'une autre façon. Donc, si vous avez des chiots de 2 à 4 mois, 4 mois et demi, là, on peut généraliser vraiment, là, mais c'est vraiment entre ces âges-là qu'on va remarquer les mordillements. Si vous vivez des mordillements vraiment intenses ou ce que le chiot vous perce la peau, qu'il y a de la douleur avec les mordillements, bien là, à ce moment-là, c'est pas quelque chose de normal puis qu'on pourra peut-être traiter ce soir. Donc, ça serait peut-être important de nous écrire en privé pour qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Parce que les mordillements sont là, mais le chiot doit déjà avoir une certaine inhibition qu'on appelle, donc un contrôle de ses morsures, donc qui ne va pas percer notre peau. Okay? Donc, si le chiot est rendu à percer votre peau quand il mordit, on est à un autre stade, donc il faut communiquer avec nous. Alors, en bas, vous voyez notre site web avec l'onglet ressources qui défile. Vous allez pouvoir le prendre en note puis aller le visiter après la présentation parce que je vais discuter avec vous des outils, des ressources que vous avez besoin d'avoir de façon quotidienne pour votre chiot pour combler certains besoins. Et dans ces besoins-là, les objets que je vais vous présenter ce soir, vous allez les retrouver sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir reprendre le site web en note et aller vérifier ce qui est en vente. Alors, on a d'autres personnes qui se sont ajoutées. Bonsoir Candide, bonsoir Christian. Première étape pour gérer les mordillements de son chiot et éviter que ça devienne trop intense, c'est de combler ses besoins quotidiens. Donc, quand je parle de besoins quotidiens, je vais beaucoup focuser sur les besoins intellectuels et les besoins masticatoires, parce que c'est les deux principaux qui vont faire en sorte que le chiot va moins vouloir mordiller, moins être porté à nous mordiller également, peu importe que ce soit les mains, les pieds, les mollets. On va regarder ça ensemble. Donc, prenez-vous papier, pour prendre des notes si jamais vous voulez prendre en note les outils vers lesquels je vais vous diriger. Donc, on va commencer par les besoins masticatoires. Personnellement, ce que j'ai vécu avec mon chiot dernièrement, c'est que j'ai découvert avec lui ses préférences. Donc, ce que je vous recommande ici, c'est très général. C'est possible que votre chiot aime une sorte d'os versus une autre qui va moins aimer. Donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs selon ce que votre chiot préfère. Mon premier must pour mon chiot, ça a été évidemment les boules stick. Donc, il y en a de différentes grandeurs, il y en a de différentes textures. Ceux-là ici viennent de chez Amazon. Donc, le boules stick, pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'il n'est pas trop dur pour les dents de chiot. Alors, il peut gruger facilement, puis il va durer un bon minimum de 20 minutes si vous avez pris une grandeur suffisamment longue. Donc, ça, c'est comme mon premier élément que je vous dirais que votre chien doit avoir à sa portée à tous les jours. Parfait. Le bully stick. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, il y a la trachée de bœuf. Donc, la trachée de bœuf, vous pouvez insérer des choses à l'intérieur. Donc, ce que vous pourriez mettre à l'intérieur, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube où ce que Victor a fait
une excellente recette pour garnir la trachée de bœuf, qui est excellente d'ailleurs, point de vue de mon chien. Donc, cette trachée de bœuf-là aussi est facile à gruger pour un chiot. Et ce que vous pouvez faire une fois que le chiot est rendu un petit peu plus âgé, il a commencé à comprendre un peu c'était quoi le truc là, de mâchouiller la trachée puis que ça ne dure pas longtemps, c'est que vous pouvez la mettre au congélateur. Donc, ça va aider pour des douleurs, des fois aux dents, quand les chiots ils ont les nouvelles dents qui poussent, puis ça va durer plus longtemps. Donc, ça, c'est comme les deux mousses, je vous dirais, là, la trachée puis le bouillie stick, c'est comme mes deux préférés. Mais à vous de voir si votre chiot aime ça ou préfère autre chose. Sur notre site web, on a aussi mis des os pour chiots que j'ai personnellement utilisés, mais que je n'ai plus, que j'utilisais beaucoup plus quand mon chien était en bas âge. Donc, c'était facilement mâchouillable, puis il aimait beaucoup la saveur. Donc, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site web. La compagnie, c'est Whimsies. Sinon, dans une animalerie près de chez vous. Ensuite, le fromage Yak, qui est déjà entamé par mon chien. Donc, j'en avais plus de tout neuf. Alors, voilà le fromage Yak. Si votre chien tolère bien le fromage, je vous recommande fortement ce type d'os à gruger. Donc, il est très rigide. Quand le chien gruge après, c'est comme des sections de fromage qui décollent. Puis c'est un petit fromage croustillant qui se mange très bien. Donc, mon chien adore aussi le fromage Yak. Et dernièrement, j'ai découvert le Gorilla Chew, qui est un os de bois, un peu comme un bois de plage, je vous dirais. Puis quand le chien le gruge, ça se défait en copeaux de bois. Donc, mon chien avait commencé à gruger un petit peu le bois qui était à l'extérieur, fait que pour y combler son besoin de mâchouiller cette texture-là, ben, je lui ai procuré un os qui était plus facile puis moins dangereux pour ses gencives à gruger. Alors, ça ici, ça fait le tour pour les os. Donc, vous devez absolument avoir une activité masticatoire pour le chien qui aime faire de façon quotidienne. Ça va vous sauver la vie. Parfait. Oh, bonjour Gaëlle, je viens de voir que tu t'étais joint à moi. Yeah! Maintenant, on va passer au besoin masticatoire. Donc, le besoin masticatoire, non, excusez, on vient de le voir, le besoin masticatoire. Les besoins intellectuels. Donc, les besoins intellectuels, c'est que je veux vous dire ici que vous allez prendre le bol en stainless de votre chien, que vous allez le serrer complètement dans une armoire. C'est terminé les bols en stainless ou les bols en céramique ou les bols en plastique pour nourrir votre chien avec sa nourriture. Vous allez utiliser que des jouets interactifs pour le faire réfléchir, pour le faire travailler, pour le stimuler mentalement. Donc, je vais y aller avec mon premier préféré, qui est la balle Snoop. Donc, la balle Snoop, ce qu'elle a de particulier, c'est que je vais l'ouvrir complètement. Donc, la balle Snoop, c'est qu'elle est très malléable, très mâchouillable. Elle se fait en différentes grosseurs aussi. Celle-là, c'est le format large. Mais il y a un format qui est plus petit pour les plus petits chiens. Donc, le chien peut le prendre dans sa gueule, le mâchouiller, le pitcher. Le but, c'est qu'il fasse sortir les croquettes par le trou qui est ici. Okay? Ici, gracieuseté d'un chien de client qui l'a mâchouillé pendant qu'on était en train de discuter. Mais en vrai, elle est toute comme ça. Okay? Mais là, je l'ai pris pour la démonstration ce soir parce que je me suis dit, quand on va être rendu au niveau plus difficile, je vais pouvoir expliquer à mes clients que toute la nourriture se retrouve ici, donc ici, et que ça devient plus difficile pour le chien. Donc là, il faut encore qu'il la prenne dans sa gueule, qu'il la mâchouille comme ça. Puis là, il reste juste ce petit trou-là, puis ça se peut qu'elle se prenne à l'intérieur la nourriture, puis qu'elle soit plus difficile à sortir. C'est le but de la balle. Donc, au début, ce que vous pourriez faire pour aider le chien, c'est de mettre un petit peu de gâterie. Donc, en mettant des gâteries à l'intérieur, le chien, il va être plus stimulé. Et je vous recommande aussi de l'aider. Donc, s'il semble regarder l'objet sans trop savoir ce qui se passe, bien, vous pouvez comme juste un petit peu le rouler pour que les croquettes puissent sortir. C'est vraiment ce que je vous recommande de faire avec cette balle-là. Donc, ça, c'est la balle Snoop. C'est mon numéro 1. J'ai rencontré un succès avec tous les chiens de nos clients et nos deux chiens qu'on a eus et qu'on a. Ouais. Mon deuxième
choix, c'est le Wespa Zogoflex. Donc, Wespa Zogoflex. La particularité de ce jouet interactif, c'est que vous pouvez mettre un os ici à l'intérieur. Et comme ça, ici, les trucs ils bougent facilement. Okay? Donc, les trucs en caoutchouc, ils bougent facilement. Donc, vous pouvez mettre croquettes, gâteries. C'est beaucoup plus facile qu'un Kong standard. Mais l'avantage que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est qu'un coup que le chien est encore habitué au produit, puis que ça va bien, puis que ça va vite, vous pouvez prendre la recette de Victor sur YouTube et le mettre lui aussi au congélateur. Personnellement, je l'utilise à chaque fois que mon chien va dans sa cage pour aller dans son environnement quand moi j'ai besoin de quitter, quand j'ai besoin de travailler, quand je suis occupée. Je lui offre ceci comme activité masticatoire dans sa journée. Et je vous dirais que c'est pas mal un must. Donc, le Wespa Zogoflex, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Il est facile à laver en passant. Ensuite, le traditionnel Kong. Ici, vous avez le Kong pour chiot de format large. Avez-vous vraiment besoin de prendre le Kong pour chiot? Je ne croirais pas. Je pense pas qu'il est vraiment plus facile à mâchouiller. Donc, vous pourriez simplement prendre le rouge ou le noir, tout dépendant celui que vous préférez. Le noir est beaucoup plus résistant. Donc, si vous avez un mâchouilleur professionnel à la maison, je vous recommande tout de suite le noir. Alors, à l'intérieur du Kong, vous pouvez mettre sensiblement la même recette. Donc, croquettes, gâteries, conserves, beurre d'arachide, yogourt naturel, des trucs comme ça. Puis quand le chien est encore une fois habitué, on le met au congélateur le temps qui gèle, puis après ça, on l'offre à notre chien. Ensuite, on a la balle Tricky Treat. Donc, la balle Tricky Treat, c'est qu'elle a un trou, un seul ici, puis elle a beaucoup d'encavures en forme de rond qu'on retrouve à l'intérieur. Je vous dirais que celui-là est plus de niveau avancé. Ça prend un bon glouton pour utiliser cette balle-là, parce que si vous avez un chien qui n'est pas très glouton à la maison, donc il n'est pas porté vers tellement ça, la nourriture, à en dévorer son bol, ça se peut qu'il se tende rapidement parce que les croquettes ne sortent pas très vite. Mais il y a des chiens qui l'adorent. Il y a de mes clients là, qui ont le format extra large parce qu'ils ont un bouvier bernois, puis ça fonctionne vraiment très, très bien pour leur chien. Donc, encore une fois, allez-y avec les préférences de votre chien. Moi, je vous nomme les musts, celui que j'ai essayé, celui que mes clients ont essayé, puis qui ont vraiment aimé, puis qui ont vraiment adoré. Alors, voilà pour les besoins intellectuels. Donc, je vois que plusieurs autres personnes se sont ajoutées. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, si vous souhaitez, ceux qui viennent de joindre à nous, si vous souhaitez nous réécouter en replay, vous allez voir les besoins masticatoires et les besoins intellectuels que je viens tout juste de parler. Donc, pour bien poursuivre, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est des trucs pour quand le chiot mordit. Donc, ce que je viens de vous parler, c'est de la prévention. Maintenant, on va aller plus dans les trucs quand le chiot nous mordit. Donc, quand le chiot nous mordit les mains, les doigts, les pieds, les mollets. On va rentrer dans ce qui est les exercices vraiment concrets. Donc, si votre chiot vous mordit les mains, observez à quel moment il le fait. Est-ce que c'est pendant le jeu? Si c'est pendant le jeu, eh bien, je vous mentionne tout de suite que vous ne devez absolument pas jouer avec vos mains. On s'assure d'avoir toujours un objet qui offre une distance entre votre main et la gueule de votre chiot. OK? Donc, on ne joue plus du tout avec nos mains, c'est terminé, il n'y a plus de jeu qui se fait avec les mains et avec notre chiot. Maintenant, deuxièmement, est-ce que c'est quand vous souhaitez flatter votre chiot que là, il vous mordit les doigts ou il vous mordit les mains? Si c'est le cas, je vous suggère fortement d'utiliser gâterie pendant que la main vient flatter le chien. Donc, gâterie pendant que la main vient flatter le chien.
À chaque fois que vous allez faire ça, ce que ça vient apprendre au chien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une main qui m'approche, waouh, j'ai des gâteries qui arrivent dans ma gueule, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'utiliser ce truc-là parce que ce qu'on veut, c'est que chaque fois que vous avez une main qui approche de votre chiot, il faut toujours que ce soit vu positivement et non pas comme du jeu, comme des mordillements, comme une contrainte, comme quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, peut-être qu'il vous mordit les doigts parce qu'il veut juste pas se faire flatter. Ou il n'est pas dans ce mode-là, il est plus en mode jeu. OK? Donc, ça, c'est une technique pour vous aider à éviter que votre chiot vous morde les doigts. Maintenant, si votre chiot vous morde les mollets, est-ce que ça arrive que c'est pendant que vous marchez? Est-ce que quand vous marchez dans la maison, dehors, dans la rue, lors de la marche en laisse, est-ce que votre chiot a tendance à vous mordre les mollets? Si c'est le cas, vous devez pratiquer vos déplacements dans la maison ou à la marche. Et avant que le comportement se produise, donc avant que votre chiot vous morde les mollets, vous lui offrez des gâteries. OK? Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on vient juste dire, au lieu de mordre nos mollets, tiens, mange à la place. Donc, si ça vous arrive ou que vous souhaitez pratiquer à la maison, vous pouvez utiliser sa propre nourriture pour le faire. Si le chien mange, s'il se désintéresse de vos mollets, vous pouvez utiliser sa croquette. Si ça ne fonctionne pas, vous devez utiliser quelque chose d'autre. Donc, vous devez utiliser une gâterie qui a une plus grande valeur. Comme là, présentement, ce que j'ai, c'est des lamelles de bœuf que vous pouvez retrouver sur notre site web. Donc, ça, c'est pour le chiot qui va mordiller vos mollets. Donc, première chose à faire, on devient immobile. Deuxième chose à faire, on y apprend que quand on se déplace dans la maison ou ailleurs, il y a de la nourriture qui arrive dans sa gueule pour venir y empêcher de mordre vos mollets. Et donc, on va toujours aller avec quelque chose qui est alternatif au lieu de nous mordre des mollets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui au lieu qu'il nous morde des mollets? J'imagine que vous voyez venir. C'est exactement la même chose s'il vous mord les orteils, les pieds et ces choses-là. Par contre, vous allez utiliser un exercice de plus. Vous allez reprendre ces croquettes ou reprendre les gâteries que je vous ai parlé. Et vous allez, si c'est des gâteries, OK, vous allez utiliser des petits morceaux comme ça. OK? Des petits, petits morceaux. Donc, les petits morceaux que vous allez utiliser, vous allez en prendre au moins 3-4 dans vos mains. D'accord? Et là, chaque fois que vous allez être en déplacement, chaque fois que vous allez bouger dans votre maison, il y a une pluie de croquettes ou il y a une pluie de gâteries qui va arriver loin de vous. Vous n'allez pas appeler votre chien pour qu'il vienne manger dans votre main. Cette pluie de croquettes ou cette pluie de gâteries va arriver loin de vous. Parfait? Advenant le cas où vous n'avez rien sous la main, puis que c'est intense, puis que vous êtes incapable de gérer parce que ça devient ingérable. De un, vous devenez immobile. Si ça ne fonctionne pas, vous vous dirigez vers une pièce où ce que vous pouvez fermer la porte. Ou de l'autre côté d'une barrière, si vous avez séparé des pièces, un couloir ou des trucs comme ça par une barrière où ce que votre chien ne peut avoir accès, vous disparaissez. Comme Aladdin. Donc, vous disparaissez. Vous. Je sais qu'il y en a qui ont tendance à dire, ben c'est mon chien que je vais mettre en punition, c'est lui que je vais prendre puis que je vais comme mettre dans une pièce à part. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. C'est vous qui devez disparaître. Vous disparaissez dans une autre pièce, vous fermez la porte ou vous allez au bord de la barrière et vous ignorez votre chien. Vous revenez quelques secondes plus tard, normalement, quelques secondes, ça laisse le temps un peu au chien à changer un peu de boue puis à redevenir plus calme. Donc, quand c'est le cas, vous revenez dans la pièce. Et là, vous pouvez faire d'autres interactions avec votre chien. Donc, vous pouvez jouer à autre chose, vous pouvez refaire le truc avec les gâteries pendant que vous marchez. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment le type d'exercice que vous allez faire. Que vous devez vous souvenir également, c'est vraiment d'y aller avec ces croquettes en premier quand vous êtes à l'intérieur de votre maison. Si les croquettes, ce n'est pas assez puissant, c'est à ce moment-là qu'il faut venir utiliser les gâteries. Et là, les gâteries, vous allez encore une fois faire des tests, si on veut, avec votre chien pour savoir c'est quoi sa préférence.
Quelle est la valeur de ma récompense ou de ma nourriture, plutôt, versus l'exercice que je suis en train de faire? Donc, si j'utilise une gâterie, j'utilise normalement pour le mettre propre puis le féliciter quand il a fait ses besoins dehors, c'est possible que cette récompense-là, cette gâterie-là, cette nourriture-là, fonctionne pas quand vous allez être en train de faire la marche en lest à l'extérieur. Donc, si c'est le cas, ou de faire vos exercices dans votre cour arrière, si c'est le cas, eh bien là, vous devez changer de nourriture, de récompense, de gâterie. Il s'agit simplement de changer le focus du chien puis de faire une association qui est encore plus positive que de nous mordiller les mollets, de nous mordiller les pieds, de nous mordiller les mains, puis que là, on interagit avec, puis on dit « Hey, non, fais pas ça, mords pas! » Fait que là, quand vous faites ça, bien, ça vient nous dire c'est que vous êtes en train de récompenser ce comportement-là. Même si vous dites « Hey, non, fais pas ça, mords pas! » Va-t'en là-bas! Le chiot, ce qu'il veut au bout de la ligne, c'est d'avoir votre attention, c'est d'avoir une interaction avec vous. Et là, par le mordillement, ça fonctionne. Fait que le chiot, lui, il va se dire, ben, la prochaine fois, je vais mordiller parce qu'à chaque fois que je mordille, ça marche. C'est pas merveilleux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est terminé. Le non, fais pas ça, mords pas, là-bas. On ne parle plus, silence total, puis on fait les exercices qu'Annick vous a dit de faire chez Eureka. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment les outils nécessaires pour vous aider à gérer quotidiennement les mordillements. Mais soyez assurés, si vous avez fait une belle gestion, si ça s'est bien passé, si vous avez mis les trucs en pratique, normalement, ça devrait s'estomper avec l'âge pour disparaître complètement. Si votre chiot a 6 mois, 7 mois, 8 mois, puis qu'il mordille encore, c'est pas normal. Vous devez nous appeler. OK? Donc, gardez ça en tête que en 2, 4, 5 mois, ça commence à être un peu limite, là. Mais 2 à 4 mois, c'est vraiment le moment idéal pour mettre tout ça en pratique parce qu'après, si tout s'est bien passé, ça s'estompe et ça disparaît. Donc, Julie nous dit, ça prend de l'autocontrôle. Julie, est-ce que tu veux dire que ça prend de l'autocontrôle pour l'humain ou pour le chien? Parce que, effectivement, ça prend beaucoup d'autocontrôle. Surtout pour nous parce que on est tellement conditionné puis habitué de dire non, là. C'est incroyable, incroyable, incroyable le nombre de fois où ce que on doit un peu faire un reset avec notre tête puis dire hey, sinon, il ne fallait pas que je dise non, faut que j'apprenne quelque chose d'autre au lieu de dire non, tu sais. Oui, c'est ça, Julie. Donc, pour l'humain, effectivement, ça prend un autocontrôle du tonnerre. Donc, c'est ça. Il faut juste. En fait, là, je pense qu'il faut surtout retenir que quand ça commence à bouillonner un peu en dedans, là, puis à faire un petit peu de brassage dans votre intestin, dans votre estomac, puis que là, vous sentez que ça resserre un peu partout, là, on quitte, on part, on s'en va. Puis on oublie le fait là, de se dire là, je veux pas le laisser gagner, c'est pas vrai qu'il va avoir le dessus sur moi. Non! Le chien, là, il est pas capable. Il n'a pas cette notion-là. C'est pas ça son but. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il est avec nous. C'est pas d'avoir le dessus sur nous. Parfait. Donc, enlevez-vous les mythes là, de dominance puis de gestion de qui domine qui, puis ça n'existe pas, anyway, entre l'humain et entre le chien. OK? On va se le dire tout de suite, là. Il n'y a aucune dominance qui existe entre l'espèce humaine et l'espèce canine. Donc, enlevez-vous de la tête qui veut vous gérer, qui veut vous dominer, qui veut whatever, je sais pas quoi, et disparaissez dès que ça continue, dès que ça commence à bouillir. Puis faites un peu une introspection de ce que vous auriez pu faire, premièrement, puis de comment vous auriez pu gérer la situation. Puis, dites-vous que
Il y a plusieurs alternatives que vous pouvez faire. Là, ce que je vous ai dit, c'est que quand ça vient vraiment trop top, vous disparaissez, mais entre-temps, vous avez vraiment beaucoup d'outils, là. T'sais, vous pouvez prendre un bully stick puis dire, tiens, va gruger ça, là. Lâche mes membres, puis gruge ça à la place. J'ai Cathy qui dit, ma chienne aurait passé beaucoup de temps seule. Beaucoup de temps seule, ouais. Ouais, effectivement, c'est sûr que. Trouvez-vous des alternatives avant, OK? Trouvez-vous quelque chose qui va vraiment bien fonctionner aussi pour vous, là. Tu sais, le disparaître, là, c'est la dernière option dans votre boîte à outils, OK? Donc, vous avez enrichi son quotidien, votre chien a des trucs à gruger, vous avez même utilisé des jouets avec différentes textures, des toutous. Ensuite, ça peut être des jouets en caoutchouc. T'sais, là, vous avez comme des balles, des trucs comme ça, mais vous pouvez avoir des jouets en caoutchouc. Je lis en même temps. Donc, ça peut être des jouets en caoutchouc, des jouets en toutou, en mousse, toujours sous supervision, bien sûr, parce qu'on a des chiens qui sont pros pour déchiqueter les toutous. Donc, c'est vraiment important de trouver aussi des jouets que le chien va aimer par texture. Ça peut être une petite corde que vous tirez un petit peu avec, rien de vraiment intense, là, t'sais, vous prenez un peu, puis vous bougez de gauche à droite, mais c'est tout. Donc, vous essayez de faire un échange avec le chien plutôt que de mordiller vos mains, ou peu importe quoi. Vous faites des échanges, vous trouvez un os, un jouet, vous y offrez sa nourriture à l'intérieur de trucs interactifs, des choses comme ça. Donc, disparaître, c'est vraiment votre dernière intervention dans votre coffre à outils. Gabriella qui dit, j'ai compris que ces mordiments en soirée, c'est pour demander un os à gruger. Ah ben voilà! Une demande d'attention, peu importe laquelle, peut survenir des mordiments. Donc, c'est possible que le chien, le chiot, demande quelque chose en mordillant. Personnellement, ce que moi j'ai vécu, c'est que mon chiot commençait un peu à mordiller le bout de mes doigts avec le bout de ses dents. Donc, il faisait un petit mordiment très doux, rien d'agressant, rien d'agressif pour me démontrer que là, il avait besoin de gruger, puis ce qu'il avait à sa disposition ne suffisait plus. Donc, il avait vraiment besoin de quelque chose d'autre, que j'y offre quelque chose d'autre de plus intéressant à gruger. Donc, nos chiens ont vraiment des modes de communication bien à eux, puis plus la routine va s'établir avec vous, plus vite, vous allez comprendre ce qu'il veut, ce qu'il demande, puis ce qu'il souhaite aussi. Julie nous demande, doit-on lui donner plusieurs jouets en même temps ou limiter l'accès? Il doit avoir plusieurs types de jouets à sa disposition, mais vous devez faire une rotation régulière. C'est-à-dire, un peu comme avec les enfants, pour augmenter l'attrait d'un jouet, c'est pas obligatoire qu'il soit neuf. Donc, votre chien peut avoir 5-6 jouets à sa disposition, puis 3-4 de serrés dans l'armoire. Chaque fois qu'il y en a un qui disparaît, il y en a un autre qui arrive, et ainsi de suite. On fait toujours des échanges pour un jouet que ça fait un certain temps qui a été caché dans l'armoire, exemple. Fait que ça, c'est important de garder ça aussi en mémoire. Donc, on n'a pas besoin d'acheter tant de jouets à notre chiot, à notre chien. C'est juste important de faire une rotation. C'était une excellente question, Julie, en passant. Merci de l'avoir posée pour en faire bénéficier tout le monde. J'ai quand même fait beaucoup le tour de ce que vous pouvez avoir comme outil pour gérer les mordillements. Il y a aussi la section blog sur notre site web. Donc, c'est le même site web qui déroule en bas ici, donc www.eureka.ca, barre oblique, mais au lieu d'être ressources, c'est blog. Donc, dans notre blog, vous allez retrouver vraiment beaucoup d'articles, dont un sur les besoins quotidiens et un sur les mordillements. Ça pourrait vous servir comme aide-mémoire avec ce que je vous ai dit ce soir. Donc, vous pourriez vraiment être en mesure là, d'avoir encore plus d'outils dans votre quotidien pour bien combler les besoins de votre chiot. À faire attention, ne pas trop en offrir non plus à notre chiot pour le surstimuler parce que ce n'est pas ce qu'on veut. C'est important que notre chiot dorme suffisamment dans une journée avec ce qu'il a besoin.
Donc maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, j'aimerais ça vous lire. Toutes les questions sont excellentes, sont bonnes et ça ne peut que vous faire cheminer dans votre relation avec votre chien ou votre chiot. Alors, je vous invite grandement à me poser votre question en commentaire pour en faire bénéficier tout le monde. Donc, si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard, comme j'expliquais en début de présentation, je vais répondre à toutes les questions là, durant la semaine qui vont s'ajouter dans le fil de discussion. Si, ah oui, si aussi, je vous ai appris quelque chose ce soir, quelque chose qui vous a particulièrement marqué à ce niveau-là. J'aimerais aussi que vous l'écriviez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez le plus retenu de la présentation ce soir? Gabriella demande promenade versus randonnée. En fait, c'est une excellente question, effectivement, Gabriella, mais tout dépendant de l'âge de votre chiot. Ce que je veux dire par là, c'est que dernièrement, on a écrit un article sur les activités à faire avec son chiot, tout dépendant l'âge de celui-ci. Donc, si votre chiot a moins de 6 mois, plus de 6 mois, eh bien, il y a vraiment un âge à respecter, la promenade versus la randonnée. Parfait. Donc, c'est vraiment important de respecter les limites de son chiot. Encore là, cet article-là, cette affiche-là, c'est d'ordre général. Donc, c'est important aussi d'écouter et d'observer le langage de votre chien. Est-ce qu'il semble fatigué? Est-ce qu'il vous envoie des signaux qu'il veut revenir à la maison, qu'il refuse d'avancer? Donc, encore là, c'est tous des signaux que vous devez prendre en compte pour savoir si c'est trop long. J'espère que Gabriella, ça a bien répondu à votre question. Cathy, merci Annick. J'en ai manqué un petit bout. Je vais le réécouter en replay. Parfait, Cathy, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, je vais poursuivre avec la fin de cette magnifique présentation. Donc, comme je vous disais plus tôt, si vous avez appris quelque chose ce soir, vous pouvez simplement faire un cœur, un pouce, m'écrire en commentaire ce que vous avez retenu également. Et c'est à mon tour, en fait, d'avoir besoin de vous ce soir. J'aimerais obtenir vos témoignages. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé la présentation de ce soir. Donc, si vous souhaitez m'aider à votre tour, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais vous expliquer comment écrire votre témoignage vis-à-vis du live que vous avez pu bénéficier ce soir ou aussi en privé. Si vous préférez nous écrire en privé, vous pouvez nous écrire pour nous dire vous avez vraiment apprécié. Puis ce que vous avez retenu aussi de la présentation. Aussi, également, je vous invite à partager ce live. Il va être de façon continue sur notre page Facebook. Donc, si vous avez des amis, des proches qui ont des chiots, qui vivent un peu le même problème de gestion de mordiments, bien partagez pour que tout le monde puisse en bénéficier. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient chez Eureka? Ce qui s'en vient chez Eureka dans les prochaines semaines, eh bien, je vous invite fortement à vous abonner à notre infolettre. Donc, quand vous allez visiter notre site web, la barre en haut, ça dit abonnez-vous à notre infolettre. Donc, laissez-nous votre nom et votre adresse courriel et vous serez tenu au courant de toutes nos nouveautés qui s'en viennent. Aimez notre page Facebook également parce que c'est pas mal les deux réseaux qu'on utilise le plus fréquemment pour annoncer nos nouveautés. Notre plus grosse annonce va se faire, comme je disais, dans les prochaines semaines. En fait, on vous réserve quelque chose d'unique pour notre clientèle francophone. En fait, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout pour ce type de clientèle-là. Donc, ça va être annoncé dans les prochaines semaines, puis on a vraiment hâte de vous en faire bénéficier. Aussi, la semaine prochaine, il va y avoir un autre live Facebook qui va porter sur les sauts. Donc, si vous avez un chien qui saute, peu importe que ce soit sur les gens, sur les comptoirs, sur les meubles, puis que c'est quelque chose qui a tendance à vous tanner, eh bien, je vous invite à être là la semaine prochaine. Ça va être mercredi, le 17 mars à 19h, encore une fois. Donc, on va parler des sauts.
Si vous aimeriez que j'effectue une étude de cas, donc qu'on prenne un cas réel puis qu'on le gère en live ensemble, eh bien, je vous invite à nous écrire en privé et on va en sélectionner un parmi les messages qu'on va avoir reçus pour en discuter la semaine prochaine durant le live. Également, on a une clinique du comportement animal qui s'en vient le 21 mars à 10h30 le matin. C'est quoi les cliniques du comportement animal? Eh bien, on l'avait déjà fait auparavant et maintenant le COVID a fait son apparition, donc c'était beaucoup plus difficile d'être en clinique vétérinaire pour répondre aux questions en lien avec le comportement uniquement. Donc, cette formule-là va être offerte en live encore, donc on vous invite à venir poser vos questions, peu importe la question. On va avoir 1 heure avec vous pour répondre à vos questions au sujet du comportement. Donc, celle-là, ça va avoir lieu le 21 mars. Je vous remercie, merci, merci, merci d'avoir été là. Vraiment, c'était une présentation géniale. Je vous remercie d'avoir partagé, d'avoir commenté, d'avoir été avec nous pendant ces 45 minutes extraordinaires. Julie Bourgeois qui dit, j'ai appris que je vais avoir besoin d'une consultation privée. Je pense que j'ai un petit cas de problème de comportement avec mon ado. Oh, les ados! Donc, Julie, je t'invite fortement à nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir de regarder avec toi tes disponibilités pour qu'on regarde ensemble là, à gérer ces comportements typiques d'adolescents chiens. Vicky, merci, très intéressant. Merci, Vicky. Cathy qui demande à quelle heure le 21 mars. Donc, dimanche le 21 mars, ça va être à 10h30. Donc, de 10h30 le matin à 11h30, on va être avec vous pour répondre à toutes vos questions en lien avec le comportement de votre chien ou de votre chat. Alors, ça se termine ici. Je vous remercie, comme je vous disais. Continuez à écrire des commentaires. Je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir durant toute la semaine. Puis, écrivez-nous en privé si vous souhaitez qu'on regarde votre cas pour un chien sauteur la semaine prochaine. Mercredi le 17 mars à 19h. Bye!